Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme les amis, c'est Supra World. Pour ma part, ça va plutôt bien, je suis de bonne humeur, comme d'habitude, on se retrouve en forme, du moins je l'espère, n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous le sentez, comment vous vous sentez plutôt. Et tant qu'on y est, je vous pose la question suivante, quelle cote est-ce que vous mettriez sur 10 à ce beau jeu, ou même en pourcentage, comme vous voulez. Moi je mets minimum 80 à 85%, 8,5 sur 10. Cette question intéressante, aussi me donner votre avis à peu près détaillé sur le jeu de manière constructive, ce serait vraiment intéressant. Merci d'avance à ceux qui pourront bien écrire ce commentaire. On se retrouve pour le gameplay numéro 62, si je ne m'abuse, de Asphalt Legends. J'espère qu'on va passer un bon moment. Je remercie ceux qui sont abonnés depuis longtemps à la chaîne, qui suivent régulièrement les vidéos, qui like de temps en temps, les gens qui commentent aussi. Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Je remercie ces gens-là. Vous avez vu que cette vidéo différente de d'habitude, je ne sais pas, mais quand même un peu, vu qu'on va pas faire les modes d'histoire. On va débloquer dans cette vidéo, les amis, dans ce gameplay, ma toute première voiture de classe S. Donc vous savez déjà laquelle c'est, quoi. Est-ce que cette voiture-là est plutôt bonne, plutôt mauvaise par rapport à ses stats, au ranking, quoi, au rang en multijoueur. Enfin, des fois, les stats, elles vendent quelque chose. Mais c'est moins bien que ce qu'on avait imaginé. Du coup, il y a des voitures qui ont une stat, par exemple, un rang 500 inférieur à un autre, et qui est meilleur. Ça peut arriver malheureusement. Donc celle-ci, on va la tester sous plusieurs coutures dans cette vidéo. On va la tester à son max en multijoueur, mais ça sera dans la deuxième partie. On va la tester dans l'événement auquel elle est dédiée. Mais voilà, vraiment une étoile de base. Donc je vais tout juste de la débloquer, la faire voir. Justement, je n'ai pas encore débloqué, on a réuni les plans. J'ai joué au jeu hier soir et le road test, voilà, quelque chose comme ça, l'événement. Je n'avais parlé pendant la vidéo de mise à jour, mais finalement, l'événement n'était pas encore arrivé, donc on n'avait pas pu le tester pendant le let's play spécial, le update. Je m'avais entre guillemets déçu, donc voilà. M'étais dit vidéo spéciale pour l'occasion. Ça vaut le coup, donc cet événement, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais normalement, trêve de blabla, on va tester ça dans l'ordre, on va peut-être un peu aussi l'améliorer. Maintenant que j'y suis, n'hésitez pas à rejoindre notre club. Je dirais qu'il n'est pas du tout compétitif. C'est pour l'amusement et, soit dit en passant, quelques récompenses de temps à autre. Quelques courses aussi. Même si je dois bien avouer qu'elles sont assez rares. Entre nous, c'est toujours mieux d'être dans un club, si vous n'êtes dans aucun club depuis des mois, voire des années, que d'être tout seul. Enfin, si ça vous regarde. Ça, c'est assez joli, les amis. La dernière mise à jour a amené beaucoup d'autocollants, mais c'est vraiment très cher, je trouve, pour les autocollants. Un autocollant 5 euros, je trouve c'est cher, même s'il est beau. Vous voyez ça? Un autocollant exclusif pour une voiture, les amis, 64 euros. Ok, c'est peut-être une très bonne voiture dans le jeu, mais ça reste n'importe quoi, les amis, c'est une dinguerie. C'était pas à dire ce que vous en pensez, mais là, Game Love, vous exagérez complètement, quoi. Il faut vraiment être un bourgeois, quoi, avoir plein d'argent qui déborde de partout pour s'acheter un autocollant à quasi 65 euros. Un seul, quoi, je trouve ça, c'est n'importe quoi. Je préfère être honnête à ce point-là. Alors ça, c'est pas ce qu'on veut, cette boutique-là. On veut ouvrir un petit pack de cartes gratuites. Je suis toujours au niveau 9 pour l'instant, au niveau de garage. C'est à peu près la moitié, quoi, de l'évolution. C'est niveau 18, le maximum. Je suppose que dans un an et demi, qu'on arrivera plus vers la fin de la série sur ce jeu, vers le gameplay 150, voire 180, on sera au niveau 18. Donc, il faut aller événement saisonnier, les amis. Je pense que je parle pas trop au début de vidéo, en général. 2 à 4 minutes, ça passe. Donc vous voyez, tout nouveau événement road test, comme je le disais, avec la Faraday Future FFDO Run. C'est drôle parce que j'ai fait un live sur cette voiture, un live d'Asphalt 8 il y a quelques jours. Ça va être vous étonner ce que je vais dire, n'allez pas le voir, parce que je jouais beaucoup en dessous de mon niveau, quoi. J'étais pas concentré, j'étais un peu fatigué, voilà, j'ai joué un peu n'importe comment. Donc c'est entre guillemets une honte pour moi qui suis censé être champion sur Asphalt Airborne. Donc n'allez pas le voir celui-là, si vous êtes intéressé toutefois. Mais allez voir le prochain qui sortira le mois prochain, en mars. Ce sera la revanche de la Faraday Future, le 45e live. Bref, comme je le disais, trêve de bavardage. Cet événement, il est disponible encore pas loin de 11 jours, à l'heure où je vous parle. Je vais terminer la première étape, elle était gratuite, c'était pour gagner les voitures assez rapidement. Je ne sais pas si c'est une des meilleures voitures du jeu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous le savez ou pas. En tout cas, c'est une classe S et je pense qu'elle est plutôt bonne. En général, les électriques dans Asphalt 9 et dans d'autres jeux, il faut peut-être pas beaucoup de bruit, ça déplaît peut-être les fans de tuning, les fans de voiture. Mais bonne accélération. Nitro peut mieux faire cette voiture. Enfin, on fera une espèce de review pendant qu'on la testera. Vous voyez que j'ai déjà accumulé certaines pièces.
Ce qu'on va faire, les amis, il faut que je retrouve l'endroit parce qu'on peut dépenser les pièces. Vous voyez le petit cercle avec le R dedans. Ça, c'est des monnaies propres aux événements spéciaux. Donc, on va voir. Il me semblait bien, les amis, un endroit, market, quelque chose, là où on peut dépenser les pièces. Donc, on se retrouve tout de suite quand j'aurai terminé. Je sais jamais qu'on puisse la passer 2 étoiles dans cette vidéo. Je l'avais pas vu venir, celle-là. J'allais un peu vite. Donc, j'ai pas encore assez de pièces, je pensais pourtant. Donc on en achètera encore tout à l'heure, je pense qu'on va en gagner. Ne vous inquiétez pas les amis, on va être parti. Cette fois-ci on gagne bien plus d'XP pendant les courses. Débloquer voiture avec plaisir, avec plaisir. Ma toute première voiture de classe S, comme je le disais, mon tout premier véhicule de cette classe, la classe la plus élevée du jeu. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera un peu comme dans les Forza Horizon 4 et 5. Il y aura la classe X, je ne sais pas. Moi ça me tenterait, ce serait une bonne proposition à faire à Gameloft. Le problème, entre guillemets, les amis, c'est qu'il faut améliorer la voiture, et dans les classes S, ça coûte très cher, donc je pense pas que je vais aller jusqu'au bout de l'événement. Le principal, c'était gagner la voiture. N'hésitez pas, c'est une bonne voiture, assez facile à gagner. Mais comment ça, j'ai pas assez de monnaie? Attendez, ne me dites pas qu'il faut payer. Mais si, je rêve pas, il faut payer avec cette... Mais depuis quand, les amis, il faut pas payer avec des crédits dans les améliorations? Ok, c'est un événement spécial, mais c'est un peu exagéré, quoi. Je vais voir ce que je peux faire. Les amis, cet événement, comme plein d'autres dans le jeu, depuis des années, c'est un bon événement. Voilà, je pense qu'on pourra s'accorder là-dessus. Il est vraiment bien fait, quoi. J'aime bien l'idée du road test. Pour ceux qui connaissent un peu Asphalt 8, on en a que trop parlé. C'est un peu à l'image du R&D. Je sais pas si vous avez une préférence entre les deux, pour ceux qui ont déjà testé le Research and Development. Un gros défaut, par contre, de cet événement, c'est que pour les gens qui ne réfléchissent pas trop, un peu comme moi parfois, ben on sait pas qu'il faut garder les pièces pour améliorer le véhicule, sauf si on a regardé peut-être des vidéos YouTube ou je sais pas quoi, tutoriel au préalable. Donc là, les amis, je suis bloqué de l'événement. Il faut à tout prix améliorer un tant soit peu le véhicule. Et j'ai pas assez de pièces pour ça. Donc là, on avait clairement assez de pièces. Avant, on les a toutes utilisées. Ah, c'est dommage, les amis, on aurait pu avancer de l'événement, là. Donc j'ai envie de dire que c'est ma faute, mais pas vraiment, quoi. Donc ça, c'est mal fait à ce niveau-là, je trouve. Parce que du coup là, vu que c'est payant les événements, c'est pas le problème. Et ben, il faut pas dépenser ces pièces parce que les pièces, on les gagne que quand on fait les courses. Et je peux pas faire les courses si elle est pas assez améliorée. Donc voilà les amis, bloqués. J'ai envie de dire merci Gameloft, là. Vous faites des bons trucs en général, même si sur les bourses c'est un peu capitaliste, on va pas se le cacher. Un peu pay to win, même dans vos jeux gratuits. Et en plus j'ai 0 sur 10, je comprends pas ça les amis. Donc il nous demande un coup de trois espèces de cercles là, un peu nucléaires, là, jaune, noir. Et il en faut 3, mais on en a 0. Donc il y a 2 barrières qui font qu'on peut pas continuer, les amis. Donc l'événement est peut-être plus compliqué que je le pensais, mais... Je sais pas s'il a un défaut ou quoi. Comment continuer au point où j'en suis, les amis, l'événement? Ce serait bien que vous me le disiez, parce que j'aimerais bien le continuer quand même pendant quelques temps, quelques jours, histoire de peut-être passer 2 ou 3 étoiles la voiture. Et les amis, franchement, on va... Attendez, on va cliquer sur un autre level. Non, vraiment, on peut pas. Je trouve que c'est... Le mode agri sera un peu fort. J'aime bien ce mode, décidément, ces derniers temps. Mais voilà, on est bloqué. Donc, je suis navré, les amis. Finalement, la vidéo, heureusement qu'elle porte pas le nom de road test. Sinon, ce serait un peu putaclic. Donc voilà, le principal, c'est qu'on teste cette voiture. Donc, première partie de la vidéo, voilà, quand on va... Un peu pas prévu, c'est la partie discussion, un peu débrief de l'événement. N'hésitez vraiment pas à dire dans les détails ce que vous en pensez. Pensez qu'il est plutôt bien fait, plutôt mal fait. Voilà, il est plutôt bien fait dans l'ensemble, mais le gros défaut, voilà, on peut être bloqué si on n'est pas averti. Ça, c'est dommage. Donc le reste de la vidéo, les amis, on va faire 3-4 courses multijoueurs avec cette même voiture, Faraday Future FF-Zero Run. Et là, elle a pas l'aussi belle peinture qu'elle avait dans l'événement qu'on vient de passer. Mais en noir, comme ça, noir-blanc, c'est pas mal, je trouve. C'est pas une voiture que j'adore esthétiquement, mais ça va, je la trouve tout juste belle. Dépend des goûts. Quand c'est futuriste, parfois c'est beau et parfois c'est un peu trop carré, je trouve. C'est ça que je reprochais, entre guillemets, un peu aux voitures de l'ancien temps, c'est un peu trop carré. Mais bien sûr, l'espace commentaire est ouvert, je vous harcèle presque avec ça, parfois j'ai l'impression, mais j'aime bien ce sentiment de communauté, de prise de contact avec vous. C'est riche, plusieurs avis humains dans l'espace commentaire, dans une vidéo. Donc là, la voiture est à fond. On va la tester quelques fois. Ah oui, il y a même plusieurs rendus. On la met direct en rouge, les amis, je suis désolé. Alors finalement, le rouge est un peu trop foncé. Donc je préfère en blanc.
Les amis, allons-y. Après 10 minutes de vidéo, je sais bien que c'est long, mais ouais, c'était pas prévu. C'est une vidéo un peu spéciale, on va dire. Donc, let's go. Jusqu'à maintenant, j'espère qu'elle vous plaît. C'est à partir de maintenant qu'elle va vraiment être cool. On va se donner l'objectif pour les 3 courses qu'on va faire maintenant. Essayer tout le temps, sans exception, de terminer au moins 2e ou 3e maximum. Tout le temps sur le podium, c'est-à-dire on va donner le meilleur de nous-mêmes. Let's go. L'avantage avec ce genre de course en multijoueur, c'est que non seulement on peut tester un véhicule que beaucoup de gens n'ont pas, des fois c'est dans les meilleurs du jeu comme maintenant. À une belle voiture, quoi. Dépendra des goûts comme je le disais. Et un avantage, pas vraiment, c'est plutôt le sens, l'aspect égalitaire que j'aime bien, c'est encore mieux dans le fond. Mais ce qui est entre guillemets pas égalitaire, c'est qu'il y a des gens beaucoup plus forts, mais ça c'est... Voilà, c'est pas juste, ils avaient le droit de progresser pour avoir un niveau plus élevé. Donc on va voir si on peut atteindre l'objectif. À partir de maintenant, à peu près silence, pas trop de commentaires. Et on a la chance de commencer premier. Donc je sais pas comment ils font déjà pour nous devancer comme ça. Normalement, ils devaient pas commencer avec du nitro. Ou très peu. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, je sais pas si vous avez eu des défauts de son dans cette vidéo, mais j'ai pas encore de micro. Ça ne saurait tarder, les amis, dans une ou deux vidéos, je vous promets, il y en aura un. Alors, en tout cas, il arrivera bientôt. Quoi. Bon, maintenant, je me calme un peu. Je suis un peu pipelette parfois, comme je le disais. Et je sais même pas si on prend le bon chemin, les amis. Je connais pas plus que ça cette course. J'ai du mal parfois à retenir les courses, les trajectoires à prendre. J'ai cru que j'allais l'écraser. Cette voiture, on tourne vite à court de nitro. On l'avait aussi, je l'ai aussi dans Asphalt 8 depuis longtemps. C'est une des toutes meilleures du jeu. Donc, n'hésitez pas à aller voir le prochain live que je sortirai, que je ferai. Environ un mois pour les intéresser dans Asphalt Airborne. Et la jauge de nitro pour la Faraday, ce même véhicule dans l'autre jeu, elle est beaucoup plus grande. En même temps, il y a un fossé entre les deux jeux en termes de durabilité. C'est pas tout à fait les mêmes gameplay, même s'il y a des similarités. Bon, maintenant, je me calme un peu. Là, j'ai du mal à m'arrêter de parler. C'est horrible parfois. Bon, troisième, je pense qu'on va pouvoir le faire. Ouais, les amis, donc l'objectif est déjà partiellement atteint. Réussi à terminer troisième. C'était pas trop compliqué. On aurait pu davantage se concentrer. Il y en a quand même un qui a terminé un peu plus de 4 secondes devant nous, les amis. C'est assez grand. Je pense qu'il était vraiment plus fort. On est censé être tous des novices ici. Ouais, peut-être qu'il y en a qui commencent et qui n'ont pas encore commencé, mais qui ont au niveau d'élite, vous voyez ce que je veux dire, qui n'ont pas encore eu le temps de monter dans les grades. Il me reste 2 courses à faire. Donc on va plus se calmer là, on va encore se concentrer davantage pour la suite. Souhaitez-moi bon courage, j'espère sincèrement que jusqu'à maintenant vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer les gameplays sur ce beau jeu. On a encore deux rounds à faire. C'est parti. Les amis, ce serait bien de terminer au moins une fois premier, on va dire que c'est l'objectif secondaire. Dans cette course-ci ou bien la prochaine. Pour l'honneur, entre guillemets, ou juste pour essayer. C'est une voiture que je maîtrise pas trop, honnêtement. J'ai pas trop joué. Et notons qu'elle est présente dans le jeu depuis plusieurs mois. C'est seulement peut-être que maintenant qu'on peut vraiment la débloquer. Ou bien il y a plusieurs versions, je ne sais pas. Je suis sûr d'avoir déjà vu dans le jeu il y a quelques temps, on ira voir après. Il y avait même 2 versions, étrangement. En tout cas, est-ce que c'est une troisième version? Je sais pas, mais ce serait un peu excessif. Normalement, il n'y a qu'une seule et même voiture. Donc, je me tais, comme je le disais. Au moins, c'est pas encore détruit. On va éviter de se cogner. C'est pas que c'est trop rapide pour moi, c'est que j'ai du mal parfois. Mais ça peut... J'ai du mal parfois avec le gameplay, quoi, bien déraper. C'est pas exactement la même physique, voire clairement pas que dans Asphalt 8, alors que j'ai tout le temps l'habitude de jouer à ce jeu. Oula. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Déjà, à plus de la moitié de la course. On perd trop de vitesse, c'est le problème. Je dérape trop, je crois. J'ai pas à dire, à me dire une manière d'améliorer ma conduite, ce serait bien. J'aimerais bien passer un palier de puissance, quand même. Et en plus, j'ai même pas l'impression de prendre les bons chemins. Ah tiens, on est troisième. Regardez la vitesse qu'on perd, c'est dingue. Je pense que là, j'ai vraiment le niveau novice. Ah! Oh non, il nous a dépassé. Aïe, suspense. Troisième, tout juste, les amis, tout juste. J'allais dire, il nous a dépassé juste à la fin. Franchement, c'était pas pour prendre notre revanche, entre guillemets, dans la prochaine course. Regardez, les amis. Il y avait 50 millièmes de différence. Quelque chose comme ça. Donc on va se faire le dernier round, les amis, la dernière course multijoueur. On va voir si ça va aller, franchement. J'espère que cette vidéo vous ait plu. Il y a eu plus de blabla que d'habitude. Il y a des gens qui préfèrent plus l'action que la parole. Comme ça, on est sûr qu'il y a un peu pour tous les goûts, parce que la vidéo, c'est un peu moitié-moitié.
Donc allons-y pour le dernier combat. Je vais un peu loin, c'est un mot un peu fort. Pour la dernière course, voilà, tout simplement. Allez, on essaie de terminer une dernière et troisième fois sur le podium. Objectif secondaire, comme je le dis, essayer de terminer premier. Donc là, je vais essayer de faire quasiment silence toute la course. Mais comment il faut pour être aussi rapide, je comprends pas bien. Ça se met, ils sont même pas si forts que ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont une accélération plus grosse que la nôtre. C'est peut-être qu'ils gèrent mieux leur nitro, je sais pas quoi. Y a pas si grand écart de niveau entre nous, mais je crois qu'ils sont un peu plus forts dans la généralité, ou ils maîtrisent mieux le véhicule. Ils en ont failli se scratcher, les amis. Bon, c'est la même course qu'on vient de faire. C'est un petit avantage. Et s'il y en a qui l'ont fait, qui étaient avec nous dans la dernière course, je crois pas. Hein. Ben, ils ont un peu plus l'habitude aussi. On va prendre un autre chemin. À New York, il y avait une espèce de belle cathédrale quand même qu'on vient de passer. Ici, elle est assez jolie. Donc premier, ça va être un peu complexe. Ah ouais, frère. Des fois, on dérape un peu mieux, je trouve. Ah bah tiens, une petite progression les amis. On termine deuxième, voilà. On a quand même pas mal monté en note, en même temps on était vraiment en dessous. J'espère sincèrement que vous avez bien aimé cette vidéo les amis, c'était Supra World. Les vidéos maintenant depuis un moment sont 15 et 20 minutes la moyenne. En général c'est à peu près la durée d'un épisode de manga, moi qui aime bien ça. Donc je sais pas, j'aime bien, je mets épisode numéro un tel, et ça me fait un peu une référence à ça, même si je sais bien que ça n'a rien à voir en soi. J'espère sincèrement que vous l'avez aimé, comme je disais, n'hésitez pas à commenter de manière constructive, ça peut être aussi de manière négative, mais tant que c'est assez cohérent le commentaire, ça ne me dérange pas. Voilà, donc je vous souhaite bon courage les amis pour atteindre vos objectifs de la vie, prenez soin de vous et de vos proches, je vais essayer de faire de même. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour de nouvelles courses folles sur ce jeu magnifique, bye bye.